Ça fait flipper le vent qui grince. On dirait qu'on est en automne avec toutes les feuilles qui volent autour de moi. Du coup, ouais, hier soir je parlais sur Instagram. J'aime bien raconter ma life sur Instagram. Et je disais que les vlogs ça montait. En tout cas que la chaîne YouTube ça me manquait. Et que ce que je préférais monter quand je faisais des vidéos, c'était des vlogs. Et du coup, je me suis dit, bah comme aujourd'hui j'avais envie de venir faire des captations sonores en forêt, je me suis dit bah je vais prendre la caméra, je vais filmer, puis on verra bien si je fais le montage ou pas. Si vous voyez ces images, c'est que je me suis décidée. Et que du coup je me relance un petit peu dans les vlogs créatifs, un petit peu comme un journal de création. Et l'idée c'est d'ouvrir grand ses oreilles pour essayer d'identifier les sons que je peux trouver intéressants et qui vont me servir soit à faire des ambiances planantes, soit à faire des percus, soit à faire des basses, si possible des mélodies. Donc là déjà, autour de moi il y a plein d'éléments sonores parce que il y a du bois sur le... Aïe sur lequel taper. Il y a des feuilles qui volent, il y a du vent, il y a les arbres qui grincent, peut-être vous entendez. Et tout ça, bah, ça fait de la matière qu'après moi je peux soit utiliser brut, soit retraiter et tout. Donc je sais pas encore si je vais vous montrer comment je vais composer parce que c'est des processus en général où même moi je sais pas où je vais. Je fais comme ça et puis on verra bien. Voilà, Inch'Allah ça va marcher. C'est parti pour l'aventure. On dirait Dora l'exploratrice. Je m'en vais capter du son. Vous faites quel son? Vous êtes un peu silencieux hein. Je vous entends pas beaucoup dans les commentaires. J'avais repéré un arbre qui faisait tarot de bruit. Il grinçait de malade. Il est où? Rien en faire. La ASMR de la forêt. J'aime pas. Je suis quand même le genre de meuf qui vient en forêt en collant. Vis ma vie de boulet. J'ai mangé dans une énorme flaque de gadou. J'ai pourri mes pompes. Mais en plus, les collants, ils sont neufs. C'est la première fois que je les mets. Et est-ce que, franchement, est-ce qu'on partage ce désespoir, le prix du collant, le ratio temps que tu le portes versus le prix que tu le payes? Mais c'est tellement... Je vais me regasser la gueule. C'est tellement abusé. C'est tellement abusé. Je suis Indiana Jones. Ma casque, c'est... J'ai tellement envie de faire une partie de Mikado. Je veux venir avec mes amis qui sont grands, qui mesurent 2 mètres et je veux faire un Mikado avec eux. Ah, je me suis fait mal. Ah, la branchasse dans la cuisse. Et là, je suis en train de me dire... Je sais pas où je suis. C'est où la route? Les gars, j'ai un mantra dans la vie. Si vous êtes perdu, kiffez le moment présent. Bon, je crois que j'ai eu suffisamment de galères et je crois que j'ai suffisamment de matière. Donc, on va rentrer. Je vais voir ce que j'ai dans la boîte, ce que j'ai enregistré comme son cool et on va essayer de faire un peu de créa avec ça. J'étais perdue et j'ai retrouvé mon chemin et vous savez comment? Comme quoi le son c'est hyper important. J'ai reconnu le son de l'arbre qui grince que je vous montrais, que je vous ai écouté tout à l'heure. Et ce son m'a guidée et grâce à ce son j'ai retrouvé mon chemin. Et ça je crois que c'est la magie de la nature. Pourtant j'ai jamais été scout hein, mais... Maison, qu'est-ce que ça fait du bien. Bon, j'ai triché un petit peu, je vous avoue. On n'est plus le même jour que le jour où j'étais en forêt. J'ai un peu laissé passer quelques jours pour cause de flemme. Non, j'avais d'autres choses à faire. Mais du coup, j'ai fait la créa sonore. Juste, je me suis pas filmée parce que je sais pas encore bien comment rendre ça intéressant, le fait de me voir sur un ordi, parce que je le fais pas forcément avec des machines tout le temps de ouf. Des fois, ça m'arrive de sortir des instruments, des contrôleurs MIDI ou des trucs comme ça. Mais là, j'ai vraiment travaillé juste sur l'ordi avec un logiciel de montage de son, donc... un dos et un clavier, je sais pas, c'est pas forcément tip top. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre ma compo sur SoundCloud et je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter, mettre des petits likes. Et si vous êtes content quand ce soit retrouvé, vous pouvez le dire dans les commentaires parce que moi je suis très contente de vous avoir retrouvé. Et je ne sais pas pourquoi je parle avec cet accent parce que je le fais très très mal et cet accent est d'un pays indéfinissable.
Mais voilà, je sais pas quand, hein, parce que moi et la régularité sur YouTube, ça devrait faire partie de mes dread résolutions de 2020. On verra. Je vous fais des bisous en tout cas.